Alors, pour les secondes, on va regarder les fonctions de référence et en particulier les fonctions carré, inverse, racine carrée, la fonction cube. Et c'est déjà ces trois grosses fonctions qui vont bien. Alors, je vais vous les montrer déjà pour un premier temps. Voilà. Donc, la fonction carré, c'est une fonction qui ressemble à ça. Elle est tout le temps positive. Elle décroît, elle recroît. C'est la fonction f de x égale x au carré. La fonction inverse, c'est la fonction 1 sur x. La fonction racine carrée, ben c'est la fonction avec la racine carrée, elle fait quelque chose de comme ça. Et la fonction cube, voilà à quoi elle ressemble, c'est la fonction f de x égale x au cube, x puissance 3, et elle ressemble à ça. Voilà. Alors, si on veut les tracer, hein, il aurait fallu prendre des tableaux de valeurs, placer des points et les placer. Donc, on va regarder un petit peu les exercices, puis on va essayer de répondre aux questions qui nous sont posées en exercice. Et puis voilà, utiliser la fonction. La représentation graphique et algébrique des fonctions de référence, dans chacun des cas, préciser si c'est vrai ou si c'est faux. Alors on y va. Alors on commence par le 37. Bon, je commence pas tout de suite par le 1, parce que je sais pas, il devait pas me plaire. Et donc je commence par le 37. Voilà. Vrai ou faux, l'image de moins 5 par la fonction carré est moins 25. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction carré? La fonction carré, c'est la fonction qui a f de x associe x au carré. Ça veut dire qu'on prend un x et puis on le multiplie par lui-même. Est-ce que l'image de moins 5, donc f de moins 5, c'est moins 5 fois moins 5, donc moins 5 au carré, et ça fait 25, et pas moins 25. On est bien d'accord? Donc la première, c'est faux, car moins 5 au carré, ça fait 25, et c'est différent de moins 25. L'image de 4 par la fonction carré est 2. Alors, 4 par la fonction carré, f de 4, c'est égal à 4 au carré. Hein, c'est la fonction carré, donc f de x égale x au carré. 4 au carré, ça fait 16. Donc c'est faux. C'est différent de 2. C'est faux. Mais par contre, l'image de 2, ça vaut 4, hein, parce que ça vaut 2 au carré. Ok? Par contre, là, j'écris. Par contre, voilà. Troisième. Les solutions de l'équation x au carré égale 5 sont moins racine de 5 et racine de 5. Alors, là, on peut le regarder. X au carré égale 5. Alors, x au carré égale 5. Ça donne x égale moins racine de 5 et x égale plus racine de 5. Est-ce que moins racine de 5 au carré, ça vaut 5? Ben, moins racine de 5 au carré, ça vaut moins par moins, ça fait déjà un plus. Et racine de 5 au carré, ben, ça fait 5, donc ça fait bien 5. Donc moins racine de 5 est solution. Et racine de 5 au carré, c'est aussi égal à plus 5. Donc racine de 5 est solution aussi. Voilà. Est solution. Il n'y a pas de S là. On est d'accord? Donc ça, c'est vrai. Donc le 2 est faux, le premier est faux. Mais le 3, lui, il est vrai. Ok? X au carré égale 5, ça veut dire que x égale moins racine de 5 ou x égale racine de 5. La fonction entre guillemets contraire de x au carré, c'est racine carrée. Mais il faut faire attention, hein, parce que vu que on est en carré, moins par moins, ça va faire plus. Alors, comment ça se voit bien? Ça se voit bien si on fait la représentation graphique. Regardez bien. X au carré, c'est ça. Et moi, je veux x au carré égale 5. X au carré égale 5, c'est ici. Voilà. X au carré égale 5, ça va me mener ici à racine de 5, mais ça va me mener aussi ici à moins racine de 5. Donc racine de 5 au carré, ça vaut bien 5, et moins racine de 5, ça vaut bien 5. Donc généralement, quand vous avez un x au carré, il y a toujours, la plupart du temps, il y a deux solutions. Ici et ici. Voilà. Si je vous demande x au carré égale moins 1, ben c'est pas possible. Puis x au carré égale 0, ben c'est facile, hein, c'est 0. Ben ça, c'était le 3, donc le 3 est vrai. Le 4, les antécédents de. Ben, les antécédents, c'est les valeurs de x.
de moins 5 par la fonction carré. Ah, ça, c'est très bien, ça. Alors, regardons bien. On va retracer cette bébête, là. La fonction carré, elle ressemble à ça. Ça veut dire que lorsque j'ai 2 ici, ici, j'ai 4, hein. 2 au carré, ça fait 4. Et moi, je cherche les antécédents de moins 5. Donc, je cherche les valeurs de x pour lesquelles y vaut moins 5. Moins 5, c'est où? C'est là. Est-ce que de moins 5, je peux atteindre la courbe? Ben non, je ne peux pas atteindre la courbe de moins 5. Donc, il n'y a pas d'antécédent de moins 5. Okay? Par contre, les antécédents de 5, c'est bien moins racine de 5 et racine de 5. Par contre, les antécédents de moins 5, il n'y en a pas. Ils n'existent pas. Donc, les 4, faux. Moins 5 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent par la fonction carré. Voilà. Donc, oula, je ne peux pas le montrer. Ouais, moins 5, il est là. Hein. Donc, moins 5, si. Hein, hop, je n'atteins pas la courbe. Alors, la suite. Ici. Et il ne reste plus que le 6. Si x au carré égale 9, alors x égale 3. Alors, je vais le faire ici. Je dois avoir assez de place pour le faire. Alors là, j'aurais plutôt tendance à dire vrai et faux à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est pas... C'est vrai, mais voilà. Si x au carré égale 9, alors x égale 3. Bah oui, si x égale 3, x au carré égale 9. Donc, c'est bon. Mais, pas seulement. X égale aussi moins 3. Si x au carré égale 9... X égale 3 et X égale moins 3. Donc, ce qu'il a écrit, c'est vrai, mais pas simplement. Du moins, c'est vrai. Ça pourrait être faux, car c'est 3 et moins 3. Okay, il ne faut pas oublier de mettre le petit et qu'il y a ici. Pas forcément, X n'est pas forcément égal à 3. Hein. X peut aussi être égal à moins 3. Donc, ce qu'il a écrit, c'est faux. Il faut bien préciser 3 et moins 3. Le 39, maintenant, qui est à côté. F est la fonction carré définie sur R. Donc, F de x, c'est x au carré. Ok, on est d'accord. Et sans effectuer de calcul, je veux recopier et compléter le tableau suivant. Alors regardez bien, il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est qu'on a des valeurs qui se ressemblent drôlement. Regardez bien, on a la valeur moins 5,36 pour x, et on a 5,36 ici. Et qu'est-ce que je sais, moi, de ma fonction carré? Je sais que si j'ai 5,36 ici, f de x, là, elle vaut, combien on m'a dit, 28, et des brouettes. 28,7, blablabla, blablabla, bla, ici. On est d'accord? Maintenant, je cherche pour moins 5,36. Bah, pour moins 5,36, si je vais sur la courbe, et si je fais ma courbe correctement, hein, on avait vu dans le cours qu'elle était symétrique, on tombe là sur 28,7 aussi. Donc, directement à l'intérieur de mon tableau, je peux directement écrire avec une machine à écrire ici, là, 28,729 et 6. Alors, je vais faire en sorte d'écrire un tout petit peu plus petit. Ah, ça n'a pas marché. On recommence. Alors, toi, tu t'en vas. Voilà. Et j'aimerais écrire un tout petit peu plus petit. Est-ce que je peux écrire plus petit en 8, par exemple? Merci. Et ça va faire donc 28,7296. Voilà. De la même manière, regardez pour x qui vaut 0. F de x, ça va valoir combien? Bah pour x qui vaut 0, regardez, hein, ici, x qui vaut 0, f de x qui vaut 0. Pourquoi? Parce que 0 au carré, ça vaut bien 0 fois 0, ce qui fait donc 0. Donc ici, je peux directement mettre un beau 0. Alors, quel est l'antécédent de 190,44? 190,44, j'ai déjà un moins 13,8, donc je pourrais remettre ici moins 13,8, mais je peux aussi mettre 13,8. Je le sais, 13,8 fois 13,8, ça doit faire 190,84. Alors on peut vérifier, hein, à la calculette s'ils ne se sont pas trompés, eux.
13,8 fois 13,8. Voilà. 13,8 au carré. Alors, on va le mettre ici sur notre petite. Hop, là. 13,8. Ok. Hop, ok. Ça marche pas. Ici. Tac. 13,8 au carré. Ça nous donne 190. Donc, ça marche aussi. C'est parfait. Alors, sur la calculette, petite information, d'ailleurs, pendant qu'on y est, quand on tape le carré, hein, si je mets moins 13,8 au carré, il va vous dire c'est moins 190,44. Est-ce que ça voudrait dire que l'exercice se sont trompés? Non, ils ne se sont pas trompés, c'est nous qui avons mal tapé à la calculatrice. Nous, on a demandé à ce qu'il fasse 13,8 au carré et après rajouter le moins devant. Okay? C'est pas du tout ça qu'on voulait. Nous, c'était moins 13,8 le tout au carré. Hein. Moins 13,8 le tout au carré. Et là, ça fait 190,44. Hein. La fonction carré est toujours positive, donc normalement, on a un plus ici. Voilà. Alors, 56,25, c'est f' de x. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 56,25, c'est l'image de moins 7,5, mais c'est alors aussi l'image de 7,5 tout court. Alors, on peut vérifier ça aussi, pareil, à la calculatrice. Hein, 7,5 au carré, menu, 7,5 le tout au carré. Voilà, ça nous fait 56,25. Parfait. Et on aimerait avoir ici la valeur de moins 4, de l'image de moins 4,896, 896. Et là, ça tombe bien, on a 4,896 ici, donc ici ça va nous donner 23,97082. Je dépasse un peu, mais voilà. C'est l'idée, c'est ça, c'est de mettre à chaque fois, en utilisant colonnes du tableau, les valeurs des images. Donc, hein, moins 4,896 au carré, ça fait quelque chose de positif. Hein, moins par moins, ça fait quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif, c'est 23,97082. Voilà pour le 39. Le 56, pareil, un QCM. Donc, on essaye de savoir quelles sont celles qui sont vraies. Et ça, c'est sur la fonction inverse. Donc, la fonction inverse, je vous rappelle, hein, 56, c'est f de x est égal à 1 sur x. Par exemple, f de 2, bah c'est 1,5. F de 8, bah c'est 1 huitième. Ok? Et f de 3, ça fait 1 tiers. Ce qui fait environ 0,33333, blablabla. Ok? Donc ça, c'est la fonction inverse. L'une des affirmations suivantes correspond à la fonction inverse, laquelle? Quelle est celle qui correspond à la fonction cube? Alors la fonction cube, qu'est-ce que c'est? La fonction cube, c'est celle-ci, x3. C'est-à-dire que si je veux faire f de 2, c'est 2 à la puissance 3, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. F de 5, ça fait 5 à la puissance 3, ça fait 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Voilà. Donc on prend le nombre de là et on multiplie 3 fois par lui-même. 2 fois 2 fois 2, et là ça fait 5 fois 5 fois 5. On est d'accord. Alors, ma courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine, mais je ne suis pas défini en x égale 0. Donc, si je regarde les courbes représentatives de la fonction cube et de la fonction inverse, qu'est-ce que j'ai? La fonction cube, elle est là. La fonction inverse, elle est là. Alors regardons d'un peu plus près. La fonction cube, hop là. La fonction cube, elle est là. Hop là. La fonction inverse, elle est là. Les deux sont bien symétriques par rapport au centre du repère. Ça veut dire que si je fais tourner ce truc-là de 180 degrés, eh ben, elle est bien symétrique ici. Pareil pour ici, hein, si je fais tourner ça de 180 degrés, elle est bien symétrique aussi. Alors regardons, on va juste jeter un coup d'œil, voir si je peux faire ça avec PowerPoint en version un petit peu parlante. Regardons la fonction inverse. Alors viens voir. Est-ce qu'elle est bien symétrique par rapport à ça? Regardez bien. Hop, si je la tourne, si je fais un demi-tour, si je fais un demi-tour, elle est bien symétrique par rapport à l'origine. Symétrique par rapport à l'origine, ça veut dire que
on peut, si on met un stylo ici et qu'on fait faire un demi-tour à la figure, on se retrouve sur la même figure, hein. Donc regardez bien, la branche est en haut à droite. Hop, si je fais un demi-tour, elle se retrouve toujours en haut à droite. Donc c'est bien symétrique par rapport au centre du repère. Et si je regarde la fonction cube, elle va être aussi symétrique par rapport au centre du repère. Regardez bien, tac, je fais un demi-tour et tac, je me retourne sur la fonction cube. Donc bien symétrique par rapport au centre du repère. Par contre, ce qui nous a été dit dans l'exercice, c'est un truc simple, c'est quelle est celle? Elles sont toutes les deux symétriques par rapport à l'origine, mais elle n'est pas définie en x égale 0. Pas définie en x égale 0, c'est qu'il veut dire que si je prends x égale 0, il n'y a pas, je monte, je descends, je ne peux pas tomber sur la courbe, je ne suis pas défini. Or ici, regardez bien, f de 0, elle existe. F de 0, c'est 0 fois 0 fois 0. Alors ici, tac. F de 0, c'est bien 0 fois 0 fois 0, c'est 0 puissance 3, et ça vaut bien 0. Donc elle est bien définie en 0. Et celle-ci-là, 1 sur 0, c'est pas défini. Donc si 1 sur 0, on ne peut pas diviser par 0, interdiction de division par 0, donc 1 sur x, elle n'est pas définie sur 0. Donc ici, dans notre cas à nous, pour l'exercice qui nous est demandé, on va y répondre assez rapidement, 56. Donc 56, 1. Donc ça, je vous rappelais. Voilà. 56, 1 sur x, c'est bien symétrique par rapport, oula, au centre du repère. Par rapport, oulala, au centre du repère. Et 1 sur x non défini pour x égale 0. Donc là, c'est plutôt la fonction 1 sur x de quoi on parle. Le point de coordonnées moins 3, 9 appartient à ma courbe représentative. Moins 3, 9. On va regarder. Une des affirmations correspond à la fonction inverse, laquelle? Quelle est celle qui correspond à la fonction cube? Ah oui. Alors, regardons, hein. Le point moins 3, 9, c'est x égale moins 3 et y égale 9. Faisons f de moins 3. Faisons moins 3 au cube. Moins 3 au cube, ça fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et ça fait moins 27. Donc c'est loin d'être égal à 9. Ok? Maintenant essayons 1 sur moins 3. 1 sur moins 3, c'est ni plus ni moins que moins 0,3333333. Et ça, c'est bien différent de 9. Donc le 2, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre, ni la fonction cube, ni la fonction inverse correspondent, du moins l'affirmation correspond à cette fonction-là. Ni l'une, l'affirmation ne correspond ni à l'une ni à l'autre des fonctions cube ou inverse. Voilà. Je suis la fonction de référence dont la courbe représentative est située sous celle des autres sur 0,1. Regardons bien. La courbe représentative de la fonction cube. Alors on l'a là, hein. Regarde sous celle des autres. Alors, là voilà. Où on va la tracer, tiens. Entre 0 et 1, parce que c'était ça, hein, la question. Entre 0 et 1, comment sont ma fonction de référence est située sous les autres? Alors, ça c'était le grand 3 du 50 truc. Si je trace x, f de x égale x. La fonction y égale x, elle est là. Si je trace x2, elle va être située, alors je vais la tracer dans une autre couleur, x2 par exemple en jaune, elle va être située plutôt ici, ça c'est x2, alors d'accord, on n'y voit rien. En jaune, on y voit encore moins bien. En vert donc,
Ça, c'est x2. Et si je prends x3, eh ben, on va se rendre compte qu'elle est bien en dessous. Alors, après, elle est au-dessus, là. Mais entre 0, là, et 1, ici, elle est en dessous. Alors, pour s'en convaincre, il faut prendre une valeur de x qui est, par exemple, ici. Prenons, par exemple, 0,5. Regardons 0,5 à la puissance 3. 0,5 à la puissance 3, c'est 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Et tout ça, combien ça fait? Ben, si je prends ma petite calculatrice, menu, là, 0,5 à la puissance 3. Et ben, ça me fait 0,125. Ça, c'est x3. Et en vert, je prends x2. Donc ici, là, ici, si je regarde bien, ici, je suis à 0,125. Prenons x2, donc je fais 0,5 au carré, ça fait 0,25. Donc en vert, c'est 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Donc je monte ici, tac. Ici, et ici, je suis à 0,25. Vous voyez bien que la fonction x2, quand je fais un carré, je suis un peu plus haut que x3. Okay? Et ça, c'est juste parce que j'ai pris un nombre entre 0 et 1. Donc la représentation graphique de x3 est bien en dessous de celle de x2 lorsque x est compris entre 0 et 1. Voilà. Et 1 sur x, vous me direz. Eh bien, 1 sur x, c'est pas bien compliqué, elle. Imagine. Donc que je prenne 1 sur 0,5. Bah, 1 sur 0,5, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que 2. Donc 1 sur 0,5, ça va se trouver par ici. 1 sur 1, ça vaut 1. Et la fonction 1 sur x, elle est plutôt comme ça. Donc entre 0 et 1, pour x compris entre 0 et 1, la courbe rose là, elle est bien au-dessus. Rose, c'est 1 sur x. Elle est bien au-dessus de x3, qui elle est en marron ici, qui est bien au-dessus de x2 qui est en vert, et qui est bien au-dessus de y égale x qui est ici en bleu moche. On est bon. Donc, pour le grand 3, l'affirmation correspond à la fonction cube. Voilà. Ça, c'était pour le grand 3 de l'exercice 56. Voilà. Alors, on continue. On va enlever la calculette. La 57. Donner l'image par la fonction inverse des nombres suivants. Alors, c'est parti. Alors, ça, c'est un petit peu de calcul. Vous allez voir, c'est assez facile, ça. Je pense que c'est assez facile. Regardons bien. 57. La fonction i, donc i de x, c'est 1 sur x. Et je veux l'image des nombres suivants. Donc je veux i de 2 plus 3. Ouh là là, comme c'est dur. I de 2 plus 3, c'est i de 1 sur 2 plus 3, ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça vaut 0,2. Maintenant, je veux i de 2 fois 3. I de 2 fois 3, c'est bien 1 sixième. Soit dit en passant, ça fait 1 demi fois 1 tiers. Ok? 1 demi fois 1 tiers, ça fait, je sais pas combien, hein, mais ça fait 1 sixième. Voilà. Donc la première réponse, c'est 1 cinquième. La deuxième, c'est 1 sixième. La troisième, i de 2 moins 3. Bah, i de 2 moins 3, c'est 1 pour 2 moins 3. Ça fait donc moins 1. Ouais, 2 moins 3, ça fait moins 1. 1 divisé par moins 1, ça fait bien moins 1. Donc i de 2 moins 3, ça fait moins 1. Après, 2 fois moins 3. I de 2 fois moins 3. Donc 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et ça fait donc
moins 1 sixième. Voilà. Et alors attention, 2 tiers i de 2 tiers. Ça fait 1 divisé par 2 tiers. Ah, comment je fais pour diviser par une fraction? Eh bien, je multiplie par l'inverse. Donc ça fait 1 multiplié par 3 demi. Et tout ça, ça fait donc 3 demi. Et ce qui fait donc 1,5. Oula, là, monsieur, j'ai un petit doute quand même. Est-ce que ça serait possible qu'on vérifie? Bien sûr, prenons une calculatrice. Et faisons menu. Et demandons de faire 1 divisé par 2 tiers. 1 divisé par 2 tiers, ça fait bien 1,5. Voilà, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Ok, c'est-à-dire que le 3 qui était au dénominateur passe au numérateur, le 2 passe au dénominateur, et puis au lieu de diviser par, on multiplie par. Et ce qui fait donc 1,5. Et je veux, pour le dernier, moins 2 tiers. Donc i de moins 2 tiers. La fonction i, c'est ça, hein, voilà, ça on l'aura bien. Donc ça fait 1 sur moins 2 tiers, ce qui fait 1 fois 3 divisé par moins 2. Le moins qu'on le mette là, en haut, en bas, au milieu, c'est la même chose. Donc ça fait donc moins 1,5. Voilà. Et on a fait l'exercice 57. C'est du calcul pur et simple, très simple. Est-ce qu'on en a d'autres? Ici... Ah, on vous demande de donner l'inverse des nombres suivants. Ah, c'est un peu plus difficile, hein, parce qu'il faut faire des petits calculs. 58, grand 1. Alors, l'inverse des nombres suivants. 1, moins 1 demi plus 1 tiers. Donc, moins 1 demi plus 1 tiers. On va déjà faire le petit calcul. On va tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, ça fait moins 3 sixièmes plus 2 sixièmes. J'ai multiplié par 2 en haut et en bas, j'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Et donc ça me donne ici, donc, si je regarde bien, moins 3 plus 2, ça fait moins 1 sixième. Et l'inverse de moins 1 sixième, ça donne donc 6 sur 1, moins 6 sur 1, ce qui donne donc moins 6. Donc ça c'est l'inverse, hein. Ça c'est l'inverse du nombre qui nous a été demandé. On peut même noter, hein, i, si on reprend la fonction qu'on a fait juste au-dessus, i de moins 1 demi plus 1 tiers, ça donne donc 1 divisé par moins 1 sixième, et 1 divisé par moins 1 sixième, c'est 1 fois 6 sur moins 1, ce qui fait donc 6, moins 6, excusez-moi, moins 6. Pareil, hein, ça c'est le petit 1, le petit 2 c'est pareil, sauf que c'est moins 1 demi fois 1 tiers, moins 1,5 fois 1 tiers, ça donne donc moins 1 sixième aussi. Est-ce que je ne me suis pas trompé au-dessus? 3, 2, non, moins 1 sixième. Ah, c'est la même chose. Ah tiens, moins 1,5 plus 1 tiers, c'est égal à moins 1,5 fois 1 tiers. Alors, essayons. Hein. Moins 1,5 fois 1 tiers, ça fait donc moins 1 sixième, et l'inverse de moins 1 sixième, de la même manière, ça fait... Moins 6. Alors ça doit être une petite coïncidence. On va vérifier. Parce que, voilà. J'ai, maintenant, vous m'avez foutu le doute. Moins 1 demi. Voilà. Plus 1. 1 tiers. Alors, del. Voilà. Ça fait bien moins 1 sixième. Et moins 1 demi. Fois 1 tiers. Ça fait moins 1 sixième aussi. Donc l'inverse de moins 1 sixième, ça fait bien moins 6. Hein. Donc l'inverse de moins 1 demi fois 1 tiers, ça fait bien 1 sur moins 1 sixième, ce qui fait donc moins 6. Voilà. On va virer ça. Et on continue. Oh là 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 là. Ah ouais, mais moi j'ai fait dans ce sens-là. C'est pas le 2, c'est le 3, ça. Ah là 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 là. Bon, bah c'est pas grave, on va faire le 2 ici. Le 2, c'est moins 1 demi, moins 1 tiers. Moins 1 demi, moins 1 tiers. Moins 3 sixièmes, moins 2 sixièmes. Ça fait donc moins 5 sixièmes. Et l'inverse de moins 5 sixièmes, c'est donc moins 6 cinquièmes. Voilà. Attention, j'ai pas mis un égal, hein, j'ai mis son inverse. Hein. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse.
Et ça, c'est l'inverse, hein. On est bien d'accord? C'est tout bon. Allez, on tourne la page. On va faire 4, 5, 6. Hop là. Alors, le 4. Facile, hein. Moins 1 demi fois moins 1 tiers. Ça fait moins 1 fois moins 1. Ça fait 1. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, l'inverse de moins 1 demi fois moins 1 tiers, je réécris tout, c'est la même chose que l'inverse de 1 sixième. L'inverse de 1 sixième, c'est 1 sur 1 sixième, et ça vaut 6. Voilà. Le 5, donc ça fait moins 1 demi divisé par 1 tiers. Alors, oula, c'est bien mal écrit. Moins 1 demi divisé par 1 tiers comme ça. Donc ça fait moins 1 demi multiplié par 3 sur 1. Et ça fait donc 3 demi. Moins 3 demi. Donc l'inverse de moins 1 demi divisé par plus 1 tiers. C'est ni plus ni moins que l'inverse de ça. L'inverse de moins 3 demi. Et l'inverse de moins 3 demi, ça fait moins 2 tiers. Voilà. Et pour le dernier, le petit 6, forcément c'est le même, mais avec des moins partout. Moins 1 demi divisé par moins 1 tiers, ça fait donc moins 1 demi multiplié par moins 3 sur 1. Moins par moins, ça fait donc plus, ça fait 3 demi tout court. Donc son inverse, l'inverse de moins 1 demi sur moins 1 tiers, c'est donc égal à l'inverse de 3 demi, et l'inverse de 3 demi, c'est donc 2 tiers. Donc voici les résultats qui vont bien. 2 tiers, moins 2 tiers, et si, si, si. Voilà pour le 58. On aurait aussi à faire le 59 et le 77, mais je vais faire ça dans une autre vidéo. Et puis voilà.